Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. Riding Zone m'a lancé un nouveau défi. On est place de l'Étoile à Paris pour quelque chose de grand, très grand apparemment. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce vélo? Salut Aurélien. Enchanté. Qu'est-ce que c'est que ça? Tall Twin Bike. Tall Twin Bike, ouais. Ok. Avec mon frère à l'époque, on bricolait pas mal des vélos il y a 4 ans. Là, on s'est lancé un défi de construire un vélo de 3 mètres de haut. D'accord. S'il y a quelque chose qui va pas, comment tu fais? Faut sauter en face? Très bonne question. En fait, on s'arrête pas. Faut jamais s'arrêter. C'est le principe, voilà. Faut jamais s'arrêter. Ou alors, l'autre solution, c'est de s'appuyer sur un arbre, un poteau. Bon, bah moi, j'ai quand même bien envie d'essayer. Si... on verra. Franchement, je le sens pas très bien. Ouais. En tout cas, défi accepté. Ok. Le défi consiste donc à descendre une partie des Champs-Élysées. Mais avant cela, Aurélien prend ses marques en tandem. Je vois qu'il y a quelques arbres déjà, peut-être qu'on peut essayer d'aller d'un arbre à l'autre. J'ai un peu d'appréhension là quand même. Allez, vas-y. On a une belle vue là-haut. Hein. J'ai un peu les pétoches là. J'ai pas envie de tomber. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Ouais, jusque là ça va. Eh, en vrai on a un bon équilibre. Hein. Je vais tenter là sur l'arbre, là je vais tenter de m'arrêter pour voir. Faire un petit test. Olé. Voilà. Bravo. Bon, en vrai l'équilibre ça va. Je m'attendais à quelque chose de pire. Ouais. Bon bah c'est l'heure du grand défi. Ouais. Donc là il va. Champs-Élysées. Tout droit dans les Champs-Élysées. Eh ouais. Bon. Bah allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Allez. Un tall bike, ça attire les regards. Et on a demandé aux curieux si Aurélien allait réussir son défi. Ouais, je pense qu'il va réussir. Déjà, le fait d'inventer ce genre de truc, c'est... Ouais. C'est gentil de croire, hein. Croire en moi, en tout cas. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas sûr. C'est gentil, hein. Ouais, merci beaucoup. Il va en falloir. Et c'est parti pour une petite descente des Champs-Élysées. Allez, je suis parti. Allez, c'est parti. Allez. Oh putain, il y a un bus en face. Première difficulté, il y a un bus. On passe au milieu des Champs-Élysées. Je suis au milieu, c'est chaud. Attends, je vais à droite. Oh putain, il y a le bus. Et Anatole va lui filer un petit coup de pédale, histoire de gagner de la vitesse. Ouais. Tente un truc, on passe chez les piétons. Tente un truc. Eh, hey, attends, on m'a lancé un défi, c'est conduire le vélo, mais moi je suis réaliste. On va zigzaguer. Toujours plus. Ouais, là, à gauche, il y a un peu de vide, là. On va éviter de tomber, là, regarde. Ça, c'est du défi Riding Zone. Et après un petit coup de chaud, rien de mieux qu'une micro-pause pour reprendre des forces. Mais Aurélien s'est arrêté au mauvais magasin. Non, mais c'était le seul moyen de s'arrêter. Attends, mais là, je peux pas. Bon, pour le shopping, on repassera. Il y a quand même un défi à terminer. Je prends la route. Et un bel obstacle à affronter. Prends la route. Non, jamais de la vie. Je crois qu'il va devoir monter sur le camion. Non. Allez. Ouais. Dessus pour de vrai. Dessus. Non, mais t'es un malade, toi. Vas-y. Oh, putain. Tu me tiens. Je bouge plus. Je descends. Aurélien est bloqué, ça tombe mal. Le propriétaire du camion arrive et il n'a pas l'air commode. T'es un fou, mec. Hey. Attends, tu veux que je te resserre les rampes? Ah ouais, je veux bien, ouais. Bon, en fait, ça le fait mal. Ah mais les gars... Alors, Aurélien va-t-il réussir son coup cette fois-ci? Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai déraillé. Ouais. Maximum de bruit. Je t'avoue que j'ai un peu flippé dans la montée parce que j'ai déraillé surtout, regarde. Attention le saut. Oh! Olé!
Ça, c'est du défi, mon gars. Ah, défi réalisé, entièrement réalisé. Là. Ah, j'ai mon cœur là qui bat, là. Je crois que j'ai plus peur là-dessus que sur mon vélo à 4 mètres de haut.